Salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère. Première chose, vous excuserez ma tenue assez relaxe, hein. Il fait très chaud ce soir et c'est pour ça que nous allons faire un tour sur Mars où il fait actuellement, comme vous le voyez, moins 30 degrés Celsius en moyenne à la surface de la planète. Donc nous allons terraformer Mars. Je vous l'avais promis, hein, j'avais fait une petite vidéo récemment. J'avais fait un avis un peu improvisé sur ce jeu qui est Terraforming Mars. Oui, la belle boîte d'apparence, hein, mais en fait, elle n'est pas très belle la boîte. Il faut reconnaître qu'elle n'est pas très belle. J'avais dit dans les avis, ce jeu ne m'avait pas du tout donné envie de le tester. En tout cas, pas d'apparence. Et une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai pas. Ça m'a complètement transcendé. Et je suis devenu un véritable adepte de ce jeu. Mais je ne vais pas redébattre là-dessus. Hein, la vidéo d'avis improvisé est là pour ça. Donc je vous propose de faire une partie en solo. J'ai pas rejoué depuis ma vidéo, justement, où je parle de Terraforming Mars. J'ai ressorti le jeu. Ça fait, un peu plus de 2 semaines que j'ai... 10 jours, 2 semaines que j'ai pas joué. Je ne me souviens plus. Et donc celle-ci, on va la faire ensemble. Alors je me suis procuré entre temps la petite extension Hélas et Elysium, 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 je ne sais même plus comment ça se dit, mais je suis quand même resté là sur le plateau de base. J'ai pas encore essayé les autres plateaux, bon c'est jamais que des plateaux différents, hein, mais ça reste le même principe de jeu. Alors on va démarrer tout de suite, hein, dans le vif du sujet. Donc je joue en ère des corporations. De toute façon, en solo, il n'y a pas 36 000 choix, on joue forcément comme ça. Donc avec tout le paquet de cartes que vous voyez ici, voilà, je joue tout le paquet, hein, même les cartes qui sont pas forcément très utiles au jeu en solo, tant pis, hein, je mets tout. Et puis, j'espère que le micro prend bien le son, j'espère que vous n'allez pas vous faire déglinguer les oreilles. Et puis, je commence à zéro partout en production, hein, zéro de base. Donc, petit rappel, hein, partie en solo. Le but, l'objectif, c'est d'accomplir les trois conditions de victoire, trois conditions de terraformation. À noter les océans, faut que j'ai posé les 9 tuiles océans, il faut que j'ai monté le niveau d'oxygène à 14%, et il faut que je monte la température moyenne de Mars à plus 8 degrés. Tout cela dans un temps limité à 14 générations. Donc je vais commencer en première génération, et paf, paf, en gros j'ai 14 tours de jeu, quoi, en gros. Je commence avec un niveau de terraforming de 14. Alors j'aime pas jouer rouge habituellement, mais j'ai pris rouge, j'ai pris les rouges pour cette vidéo, parce que je me suis dit que c'était peut-être la couleur la plus visible, la plus facile à repérer, pour vous, qui allez voir ça dans un petit écran, enfin dans un grand écran, mais, mais c'est pas évident de voir tout le plateau, de le voir bien net. Donc, sans plus attendre, on y va. Je vais tirer au sort deux corporations. On va tirer celle-là, par exemple. Réaliser sans trucage. La seule chose que j'ai faite avant, je vais être honnête avec vous, hein, c'est que j'ai retiré la corporation République de Tarsis avant. Moi, j'ai retiré ça parce que je trouve ça... Est-ce que la mise au point... Non. Voilà, si vous voulez vous amuser à lire, vous pouvez faire pause et regarder. Mais c'est une corporation que je trouve complètement inutile, pas du tout intéressante à jouer en multijoueur, en solo, pardon. Donc je l'ai de base retiré du jeu. J'ai donc tiré Inventrix, Aventrix, et Forgate, je sais pas comment ça se prononce. Donc je vous mets les deux pareils. Voilà. Bon, je ne vais pas faire la mise au point, je vais en mettre une à la fois. Donc on a Aventrix. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais vous le lire, ça sera peut-être plus parlant. Donc c'est un badge science de base. Hein. Le badge, c'est la petite, le petit dessin qui est en haut à droite, la petite icône. Et on commence, en fait, la première action du jeu, c'est de piocher 3 cartes. Donc on a 3 cartes gratos. On commence avec 45 crédits, donc 45 thunes, hein, 45 fric. Et l'effet tout au long du jeu, c'est qu'on a plus 2 ou moins 2 pour ajuster les prérequis globaux des cartes qu'on joue. Par exemple, si une carte me demande que la différence, que la,
que la température de la planète soit moins 10 minimum pour pouvoir y jouer, ben, je peux ajuster, je peux dire, je peux aller jusqu'à moins 6 ou moins 14. Entre moins 6 et moins 14. Plus 2, moins 2, ouais, c'est ça. C'est ça. Et pareil pour le nombre d'océans, s'il faut au moins 5 océans sur la planète pour pouvoir jouer une carte, moi je pourrais la jouer s'il n'y a que 3 océans sur la planète. Voilà. Donc pourquoi pas. Et l'autre c'est Torgate qui permet de commencer avec une production d'énergie de 1 et 48 crédits au lieu de 45. Ben, ils disent millions de crédits à chaque fois, ben, j'ai tendance à dire crédit tout court. Mais bon. Et le petit effet c'est que le coût des cartes énergie et du projet standard central. Donc, projet standard, c'est voilà, c'est le projet qui est commun à tous les joueurs. Bon, là, je suis seul, donc c'est commun qu'à moi. Mais voilà, je paierai 8 au lieu de 11, du coup. Alors, mes excuses si vous entendez des bruits bizarres, il fait de l'orage cette nuit. Donc, peut-être qu'il y aura du tonnerre mécanique qui sonnera. J'ai honte de la blague que je viens de sortir. Et donc, le choix, je dois choisir entre les deux. Mais avant de faire mon choix. Au premier tour, on commence, on pioche 10 cartes. J'ai déjà battu les cartes avant, je les ai mélangées. On commence avec 10 cartes et on a le droit déjà. On a le droit d'observer un peu ce qu'on a en main, savoir ce qu'on va garder, savoir comment on peut combiner au mieux avec une des deux corporations. Donc je ne sais pas si je vais essayer de je vais essayer de me montrer un petit peu ce qu'il y a, mais c'est pas forcément évident. Je vais déjà évincer les cartes qui pourraient que je trouve absolument inintéressantes de base. Là, j'ai une carte qui est pas bah, en réalité qui est comme la centrale. Bah, par exemple, cette carte-là, énergie solaire. Oui, c'est un peu le même effet que la mise au point ne veut pas se faire. Non? Non? Bon, c'est pas grave. Elle coûte 11 crédits et il y a un badge énergie, c'est-à-dire que j'ai un rabais de 3 pour pouvoir la jouer. Seulement, un rabais de 3, il faut quand même que je paye la carte pour l'avoir en main. Il faut que je paye 3 pour l'avoir en main. Donc ça revient au même, en fait, je la paierai 11, alors que la centrale, je la paye que 8. Là, par exemple, ça semble pas si intéressant que ça. Maintenant, elle donne un point de victoire. Donc en gros, ça veut dire que pour 3 crédits, j'ai un point de victoire. Alors je considère que si ma partie est perdue, les points de victoire sont inutiles. Hein. Enfin, je compte les points que si je gagne la partie. Donc pourquoi pas, je sais pas. Dans une partie en solo, vaut mieux quand même simplement gagner la partie, essayer de la gagner plutôt que compter des points dès le début. Ça sert à rien d'essayer de faire un, ça sert à rien de pouvoir faire un gros score si j'ai pas terraformé à la fin de la 14e génération. Donc je vais la mettre entre parenthèses celle-là, je suis pas sûr de mon coup. Générateur à thorium, ça augmente de 3 la chaleur, la production de chaleur et la production d'énergie. Ça coûte cher. Il faut un badge jovien pour le jouer. J'ai pas d'autres. Ah, si, astéroïde minier qui pourrait me donner un badge jovien. Enfin, ça, par exemple, les braqueurs mercenaires. Un événement qui coûte 1. Ouais, ça coûte que 1. Et je peux voler deux outils, deux minerais. Ou 3 crédits. Enfin, deux aciers. On appelle ça des aciers ou 3 crédits. À n'importe quel joueur. Je vais de base l'acheter parce que je joue seul, ça sert à rien. Le convoi depuis Europe, c'est pas trop mal. Une tuile océan pour 15 crédits. Et piocher une carte. Parce que 15 crédits, c'est pareil. Je vais payer ma carte. Je parle de celle-ci. Hein. Je vais payer ma carte 3 crédits. Donc plus la jouer 15 crédits, ça va revenir le même prix qu'un projet standard aquifère. Mais je pioche une carte grâce à cette carte. Donc en réalité, je gagne une carte avec cette action-là. Ça peut valoir le coup, je vais la garder celle-là, je pense. Les astéroïdes miniers, plus 2 en titane. J'ai beaucoup de cartes titane dans la main, ça peut être intéressant de la jouer tout de suite. J'augmente la production de titane de 2, par contre, ça va me faire. Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher, ça me fait des économies. Alors, le titane, ça va me faire 6 par tour. Ça va me faire l'équivalent à. Quand je dis que ça me fait de l'équivalent de 6, vous voyez, ça produit 2 titanes par tour. C'est-à-dire que comme le titane, on peut. Il sert
à construire des cartes avec le badge, justement, le badge espace là que vous voyez ici. Du coup, c'est comme si je gagnais 6 crédits par tour dédiés à l'achat de ce type de carte. Donc c'est pas trop mal. Sachant que bon, Phobos par exemple, ça me sert à rien. Refuge spatial de Phobos, c'est bien en multijoueur, mais en solo, clairement, les cités, c'est pas très intéressant à jouer. Donc je vais la virer tout de suite. Du coup, les astéroïdes miniers, enfin oui, ça, c'est celui dont je suis en train de parler. Ok, générateur Atorium, c'est intéressant. Bon, on peut tenter de partir là-dessus. Du coup, l'histoire des traces de vie, non. Mais là, vu ce que j'ai comme main, je pense que je vais partir sur Torghaite plutôt que Avantrix. Surtout que Avantrix, ça me donnera un Torghaite, pardon, ça me donnera un rabais sur le générateur Artorium, hein, la carte dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc déjà, je vais la payer 3 de moins, je vais la payer 29. Et en plus, comme je vais certainement partir sur les astéroïdes mini en première action, je la paierai moins cher au final. Donc je pense que je vais. Bah, du coup, je vais virer l'énergie solaire parce que ça va me faire. Là, je suis parti pour acheter déjà 3 cartes. Celle-ci qui me faisait l'équivalent d'une centrale, mais avec un point de victoire, je vais la dégager. Je vais la zapper. Après, éolienne pour la jouer, au moins 7% d'oxygène. Je crois que je vais ramer à avoir de l'oxygène avant un bout de temps. Donc, c'est pas. Je vais l'avoir en main, je vais jamais la jouer. Je vais l'acheter aussi. C'est pareil, énergie marée motrice pour 8. C'est l'équivalent d'une centrale. En fait, c'est exactement la même carte que l'autre. Sauf que là, il y a un prérequis 3 océans. Je vais la jarter aussi. Et cité de la coupole, pareil, hein, je vous avais dit que les cités, c'est pas très intéressant en solo. Donc, je vais pas la garder. En réalité, je vais garder que ces 3 cartes-là. Puis, je vais jouer sur la combo avec. Je vais jouer sur la combo avec les badges espace. Pas de se barrer, le micro, je vais me mettre un petit peu plus bas. Non, bon, ça va être la merde. Là, je vais mettre là. Tant pis, hein, si j'ai l'air d'un gros mec en Marcel dégueulasse, hein, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le brain et c'est la partie. On y va. Du coup, je pars sur Torghaite. Je vais virer une Ventrix, hein, ce sera pour une autre fois. Et puis, de ce fait, je commence avec 48 crédits. Alors, je commence avec une production de 1 en énergie. Je commence avec 48 crédits. Je vais tout de suite déduire les 3 cartes que je vais garder en main. Alors, les cartes que je vais mettre devant moi ici, ce sera les cartes que. Ce sera ma main. En réalité, ce sera ma main. Et je vais mettre ma petite corporation là. Bon, c'est pas mal ça, je vais décaler un petit peu tout ça. Et puis, donc j'avais dit 48 crédits de départ, moins 9 parce que je garde 3 cartes, ça me fait 39 crédits. 39 millions de crédits. Hein, je le répète, hein, j'ai tendance à dire crédit, alors que c'est des millions de crédits. Voilà. J'arrêterai pas de rappeler, je sais pas trop si on voit bien à l'image ce que ça donne, mais je rappellerai souvent ce que j'ai en ressources. J'essaierai en tout cas, si j'oublie pas. Et ce que je vais placer ici à ma droite, du coup, ça sera les cartes que je vais jouer. J'ai pas dit, en début de partie, j'ai placé aléatoirement, comme le jeu le veut, la cité et la forêt. Bon, on y va, c'est parti. Donc, on va jouer les actions. Alors, ça va aller vite, hein. De toute façon, ça va aller très vite en début de partie. Ça sera un petit peu plus long vers la fin, logiquement. Alors on était parti sur le principe de jouer les astéroïdes miniers tout de suite, parce que ça me fait mon badge jovien dont j'aurais besoin pour mon générateur à thorium. Et puis de toute façon j'ai besoin de mon minerai, de mon titane, pardon, j'ai besoin de mon titane le plus tôt possible. Donc je vais payer 30 tout de suite, voilà, pour jouer mes astéroïdes miniers. Je vais le mettre ici, voilà, on est bien. Est-ce que j'ai bien géré? Oui, je pourrais placer 2 cartes ici, donc ça va. Je vais jouer ça, j'ai augmenté ma production de titane de 2, du coup. Et c'est tout. Et j'ai 2 points de victoire, mais les points de victoire, bah, on verra hein, si j'arrive à gagner. Et ça sera à peu près tout, parce que. Ah non, je peux éventuellement. Je peux faire de la centrale pour 9, mais est-ce que j'ai pas intérêt à économiser un peu d'argent, parce que j'aurai besoin à 32. Alors, j'ai pas anticipé ça, je vais le faire tout de suite. Grâce à Torghaite. Je la paye que 29 celle-ci. 29. Comme j'aurai 2 titanes à la fin du tour, voilà, oui, à la fin du tour,
J'aurai 6 de moins, donc je vais payer. J'avais dit combien? J'avais dit 29. 29 moins 6, 23. 23, si je conserve 9, je vais gagner 14. Ça va me faire 23 tout pile. Donc j'ai tout intérêt à ne pas acheter de projet central, de projet standard ce tour-ci, juste à attendre, économiser. Par contre, c'est à condition que je n'achète aucune carte. Si j'achète la moindre carte, je l'aurai dans le baba. On y va. Donc là, il y a là. Alors je suis obligé de tricher, de regarder mes cartes. Normalement, je connais les règles, hein, mais comme je suis filmé, j'ai un petit doute. Phase d'action, oui, phase de production, bah oui. Donc on produit l'énergie passe en chaleur, mais j'en ai pas encore. Donc mon NT il est de 14. On va rajouter 14. Donc 15 moins un bronze. Voilà. On va rajouter deux titanes. On va rajouter un énergie. Je vais le remettre là. Et on commence. Hop, on arrive en deuxième génération. Donc je pioche 4 cartes. Je pioche 4 cartes. Alors là, tout de suite, j'ai un sabotage. Donc c'est un peu comme tout à l'heure. C'est une carte où je peux. De toute façon, vous avez compris, hein, en entendant le nom sabotage, c'est une crasse pour les autres. Là, j'ai la possibilité d'avoir un miroir spatial géant. C'est quand même pas mal. En fait, j'ai que des cartes avec le symbole énergie. J'ai de la chance. J'ai pas du tout triché. Hein, j'ai pas mélangé. J'ai pas rangé le paquet pour avoir des cartes comme ça. C'est du pur hasard. Alors, une centrale de peroxyde, ça diminue ma production de crédit de 1 et augmente ma production d'énergie de 2. Il y a un badge d'énergie qui pourrait. Qui me fait un rabais en fait si je la prends. Ah, c'est dommage quand même. J'ai tout pile l'argent pour faire ce que je voulais faire avec le thorium. Et en même temps. Bon, celle-là, je vais la virer parce que c'est dommage, ça fait baisser l'énergie de quelqu'un d'autre. Je vois pas l'intérêt de la prendre. Mais ces deux-là, enfin, le miroir spatial géant, c'est quand même pas mal. En plus, il y a le symbole espace, donc j'aurai un rabais grâce à mon titane. Oh, ça y est, c'est les dilemmes qui commencent. Parce que le truc, c'est que si jamais je me défausse de tout et que je reste sur mon plan de jeu et que je reste sur mon générateur à thorium, tant pis, que je pourrais acheter là d'un coup, zbim d'un coup, la crainte, c'est de ne pas retomber par la suite sur des cartes intéressantes avec le badge énergie et avec des badges espace. Bon, je vais quand même pas prendre de cartes. Je vais rester sur mon plan de jeu. Donc j'achète pas de cartes, ça me coûte rien, j'ai mes ressources, je les ai fait le tour d'avant. On y va, action, hein. Donc c'est très simple, on va faire ce que j'avais prévu. Mon générateur à thorium, donc j'avais besoin d'un badge de Jovien pour jouer, je l'ai là-bas, avec mes astéroïdes miniers. Et ça me coûte 3 de moins parce que je suis Corporation Torgay, donc 29. Je craque 2 titanes, donc moins 6, ça me coûte 23, et j'ai tout pile les 23 pour l'acheter. Je vais le mettre à côté, sinon je vais toujours faire du bruit. Voilà. Donc je le place ici. Ça m'a coûté un bras, ça m'a coûté tout ce que j'avais. Ça me donne un point de victoire aussi, mais on s'en fout pas mal. Ça augmente ma prod de chaleur de 3, ma prod d'énergie de 4. Là, je suis clairement parti pour rusher la température. Et, de toute façon, je suis à sec, donc je pourrais rien faire d'autre. J'ai pas d'action, j'ai pas de carte d'action bleue pour l'instant, donc je peux rien faire d'autre. Je ne monte toujours pas mon NT. La prod, du coup, fin de tour, je suis toujours à 14 en niveau de terraforming. Donc là, je prends 14 crédits. Je prends mes deux titanes. Je prends mes 4. Pardon, j'ai oublié. L'énergie passe en chaleur. L'énergie de ce tour passe en chaleur. Je prends 4 énergies et je récupère 3 chaleurs grâce à. Mon générateur à thorium. On change de génération, on arrive en troisième génération. Quatrième carte, il m'en faut quatre. Et maintenant, j'ai des choses qui pourraient être intéressantes. Là, j'ai une station spatiale pour 10.
Oui, pour 10, les cartes avec un badge espace coûtent 2 de moins. Comme je suis parti pour faire de la carte espace, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça non plus des cartes espace. Est-ce que l'investissement vaut le coût? Je ne sais pas. Université de Mars, lorsque vous jouez un badge de science, bon, ça je vais de base le mettre, le virer. Le consortium du Grand Escarpement, c'est pareil. On peut dégager une production d'outils de minerais chez quelqu'un. Ça m'intéresse pas. Et l'astéroïde, par contre, généralement, les astéroïdes, c'est pas mal, ça booste la partie, c'est pas mal. Celui-là me donnerait 2 titanes plus 1 chaleur. Si je pars sur la station spatiale, autant prendre l'astéroïde aussi, j'aurai des rabais pour jouer. Même si ça fait retirer 3 plantes, bon, voilà, j'en profiterai pas, mais limite, pourquoi pas. Ça donne envie. Maintenant, si j'achète les deux cartes, je vais payer 6. Il va me rester, en réalité, il va me rester. Je suis à 14, il va pas me rester grand-chose pour ce tour. Il va me rester 8. Je pourrais jouer celle-là grâce au titane. C'est un tour où je vais pas faire grand-chose, ça. Tour d'après, je pourrais monter la chaleur de 1 par contre. Et le convoi depuis Europe. Bon. De toute façon, j'ai une prod de titane, je suis parti pour jouer le titane, donc je vais prendre ces deux cartes-là, elles vont me servir de toute manière. Je les achète pour 6, donc je donne 10, je reviens 5 et je rends 1 pour faire 6. Et je les achète. C'est un tour qui va aller très vite une fois de plus. Je vais cramer. Alors je vais jouer ma station spatiale pour 10, donc moins 2 titanes. Ça me coûte plus que 4. Je donne 5, il me revient 1. Je joue ma station spatiale qui va me permettre d'avoir un rabais de 2 sur les cartes avec un badge espace. J'ai fini mon tour. L'énergie passe va devenir de la chaleur, donc là ça va être pas mal. Je vais pouvoir commencer à monter mon NT, mon niveau de terraforming à chaque tour. Je prends pareil 15 crédits genre 1 pour faire 14. Je vais prendre 2 titanes, je vais prendre 4 énergies et je vais prendre 3 chaleurs. Je me demande si j'ai pas fait une erreur, tiens, le tour d'avant. Parce que j'ai pas pris de 4 chaleurs par hasard. Attends, des tours 1, j'avais produit une énergie. Le tour 2 est passé ici, à la fin du tour 2. Et en même temps, non, c'est bon parce que j'en avais un. J'avais produit 4, non, c'est bon, je suis bien. Il me semble que je suis bien. Si je dis pas de bêtises, j'ai bien calculé mon coût. J'ai pas fait d'erreur. On démarre quatrième génération. Parce que première génération, j'ai pris mes 10 cartes. Deuxième, j'ai rien acheté. Troisième, j'ai acheté. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, on est bien. Quatrième génération. Donc, on démarre la quatrième. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors ça, c'est clairement une carte uniquement pour point de victoire. Oui. Ça coûte rien, c'est un point de victoire avec une condition assez simple, hein. Je pourrais la prendre, hein. Ça va me coûter 3 pour l'acheter, 2 pour la jouer, donc 5. Ça fait un point de victoire à 5. Il faut avoir moins de 4 océans, il faut avoir 3 océans max pour jouer, mais je vois pas l'intérêt. Il faut déjà que je soigne la victoire plutôt, que je suis même pas sûr d'avoir. Noctisville, c'est pareil, c'est une cité, pas d'intérêt, pas dans mon plan de jeu. Énergie des vents solaires, alors c'est une carte avec un badge énergie, c'est une carte avec un badge espace, donc c'est exactement ce qu'il me faut. En tout cas, j'aurai des rabais pour l'acheter. Ça augmente ma production d'énergie de 1 et gagner 2 titanes sur le coup. Pourquoi pas? Explosion souterraine. Ça me permet de faire une action et pour 10 crédits, je peux augmenter ma production de chaleur de 2. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça coûte pas si cher que ça. Après 10 crédits, c'est quand même autant plutôt construire une centrale. Je vais pas la prendre celle-là, elle m'intéresse pas. Donc je vais acheter celle-là pour 3. Je vais poser ça à côté. Voilà. Là, parce qu'on est toujours dans l'esprit des badges énergie et des badges solaires. C'est parti pour les actions. Donc je vais tout de suite claquer 8 en chaleur pour monter de 1
l'énergie et du coup la température et du coup augmenter mon NT de 1 pour commencer à monter un peu le niveau de ressources par tour, parce que ça commence à être un peu. Je suis un peu short quand même avec mes 14 par tour, je peux pas faire grand chose. Il me reste 15 crédits d'ailleurs. Alors 15 crédits, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être augmenter, enfin, envoyer un astéroïde. À la limite, on va plutôt maxer la prod. Je vais tout de suite jouer mon énergie des vents solaires. Donc 11, grâce à ma. Toujours pareil, grâce à ma corporation, je paye 3 de moins parce qu'il y a un badge énergie, je paye 8. Comme c'est un badge espace et que j'ai une station spatiale, je paye 2 de moins, donc je paye plus que 6. Et comme c'est un badge espace, je peux ultimer Titan, donc je paye rien. Ouais. Je ne paye rien du tout. J'augmente ma production d'énergie de 1. Et je gagne tout de suite 2 titanes. De ce fait, je peux jouer une autre carte. Alors d'abord le convoi depuis Europe ou l'astéroïde? L'astéroïde qui me donne du titane encore. Je peux peut-être jouer les deux. Ce tour-ci. Là, je vais regagner 2 titanes. 2 titanes avec lui. Peut-être. Admettons alors. Admettons que je joue l'astéroïde pour 14. Ça me coûtera en réalité 12 avec ma station spatiale. 12, ça me coûtera que 6 parce que je vais cramer mes deux titanes. Et 6 sur 15, je les ai. Avec mes deux titanes, je pourrais acheter. Ouais, je peux acheter les deux cartes d'un coup. On y va pour l'astéroïde. Alors l'astéroïde, ça me coûte donc 6, hein, je l'ai dit. 14 moins 2, 12. Moins 6, 6. Et je crame ça, il me revient 4. Donc l'astéroïde, je monte à température de 2 degrés, enfin d'un cran. Je gagne un niveau de NT. C'est tout. Et non, je gagne de titane. Important. Voilà, bon, je peux péter 3 plantes à quelqu'un, mais je n'ai pas d'adversaire ici. Et alors ça, je vais le mettre. Mes cartes comme ça, je vais le mettre là. Tiens, c'est mes cartes événements. Voilà. Et puis je vais jouer un convoi depuis Europe. Donc pareil, 15 qui ne coûte plus que 13. Moins 6. Ça me coûte 7 et 7, je les ai. Il ne me reste plus que 2 crédits. Je vais pouvoir placer une tuile océan. Alors, où est-ce que je pourrais la placer cette tuile? Bah, ici. C'est un classique. Hein. Le site de Viking pour piocher 2 cartes gratos. Donc, j'en piocher 3 gratos grâce à ça. Et pareil, toi, tu vas venir ici. Je vais piocher 3 cartes. C'est pas mal pour booster un petit peu le début de partie. Généralement, le premier qui pose un océan dans une partie pose ici, hein, c'est hyper important. Alors, je vais quand même vous dire ce que j'ai eu. Un réservoir souterrain, donc c'est un événement pour 11 qui permet de placer une tuile océan. Donc, c'est un peu comme le projet standard, sauf que ça coûte que 11 ou 18. Toujours intéressant. La vallée protégée permet d'augmenter une production de 2 crédits. De placer une tuile forêt sur une zone réservée pour un océan en ignorant toute restriction de placement et augmenter l'oxygène de 1. Donc pour 23, on augmente sa génération de ressources de 2. Et puis comme on augmente l'oxygène de 1, bah on reprend un NT au passage, donc c'est toujours pas mal. C'est toujours sympa. L'inondation par contre, moins un point de victoire, on place une tuile océan. S'il y a des tuiles adjacentes à cette tuile océan, vous pouvez retirer 4 millions de propriétaires de l'une de ces tuiles. Bon, voilà. Il n'y a personne avec moi, donc il n'y a pas tellement d'intérêt. Alors, j'ai pas de quoi payer ces cartes-là, donc fin de mon tour. Fin de mon tour. L'énergie passe en chaleur et on va. Du coup, j'ai un NT de 16. Donc ça y est, on commence à avoir un poil plus de ressources par tour, hein. Ça reste encore anecdotique, mais quand même, 5 énergies pour ce tour-ci, et 3 chaleurs. Donc là, on est parti pour avoir un niveau de température, ça montait d'un cran au moins un cran par tour, sauf carte à jouer qui changerait la donne, mais c'est parti pour ça. On passe à la cinquième génération, je repioche 4 cartes, et on avise. Alors ici on a un groupe électrogène. Je perds un crédit par tour, mais j'augmente mon énergie de 1 par tour. Ouais, c'est un badge énergie, je paye 3 de moins pour la jouer, mais elle coûte 1, donc en fait je la paye pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas certain.
C'est comme si la centrale, je la paye 8 et j'ai mon énergie plus 1 pour tout le reste de la partie. Là, c'est comme si je payais un crédit par tour jusqu'à la fin de la partie pour la puissance d'énergie. Vu qu'on est au tour 5, je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je paye 9, donc ça coûte plus cher que la centrale. Surtout qu'en plus, je paye 3 cartes, 3 crédits pour la carte, donc c'est moins rentable. Donc je vais tout de suite l'acheter, elle ne m'intéresse pas. La carte artificielle qui me permet de la température doit être de 6 degrés ou plus, de moins 6 ou plus, placer une tuile d'océan sur une zone non réservée pour un océan. Ouais. Ça me coûte les mêmes prix qu'aquifère, sauf que j'ai un point de victoire. Bref, je sais pas. Pas intéressant pour l'instant. M'intéresse pas. Je préfère garder mon argent pour acheter des projets plus intéressants. Laboratoire médical, augmentez votre prod de 1 par groupe de 2 badges construction en votre possession. J'ai aucun badge construction. J'en aurais peut-être un, mais il est trop cher pour l'instant. Non. Un cratère couvert. Le niveau d'oxygène doit être de 7% ou moins. Gagnez 3 plantes et placez une tuile citée. Diminuez votre production d'énergie de 1 et augmentez votre production de crédit de 3. Mouais. Non, ça m'emballe pas non plus, ça. Ça m'emballe pas. Je garde rien, du coup, j'ai rien gardé du tout. Non, tant pis. Allez, on commence les actions. Je prends 8 chaleurs pour augmenter ça de 1, la température. Du coup, je gagne 1 NT et j'augmente ma production de chaleur de 1. Qu'est-ce que je peux faire de beau maintenant? J'ai rien de super intéressant. Je vais me contenter des cartes. L'inondation, je pense pas que je la jouerai. Je peux jouer le réservoir souterrain pour placer une tuile. Je vais jouer le. Ouais. Ou alors la vallée protégée, mais je sais même pas si j'ai assez pour la payer, je pense pas. Non, j'ai même pas assez. Non, non, non. Non, bah, du coup, je vais jouer le réservoir souterrain, j'ai pas le choix. Pour 11 crédits, j'ai pas de rabais. Je place une tuile océan, et là c'est pareil, je vais la placer directement là pour piocher une carte. Voilà, donc ça, c'est un événement. Voilà. J'augmente mon niveau de terraforming de 1. Et puis, parce que je place une tuile océan. Et j'ai pioché une expédition minière qui pour 12, c'est un événement, qui pour 12 me permet d'augmenter l'oxygène, le niveau d'oxygène de 1. Retirer 2 plantes à n'importe quel joueur et gagner 2 aciers. Ouais, bon, ça peut servir. Mais pas tout de suite, parce que j'ai pas les moyens. Là, j'ai vraiment les moyens, je peux rien faire d'autre, hein, c'est tout. J'ai augmenté mon NT de. Oui, de 2 ce tour-ci, l'océan. C'est pour ça que je suis à 18 dès que j'étais à 16 le tour d'avant. C'est déjà fini pour le tour. Donc hop, ça passe en chaleur. Donc 18 crédits. Je vais placer 20 et retirer 2. Là, on rajoute 2. Là, on rajoute 5. Et là, on rajoute 4. Donc 5 moins 1. Alors vous noterez que je me préoccupe pas du tout des plantes pour l'instant, ça va peut-être me porter préjudice plus tard, mais faut bien essayer de monter sa prod rapidement au début, dans un domaine où on est plus fort. Là ça s'essouffle hein, finalement. J'ai fait un bon démarrage qui m'a bien boosté mes productions, mais là c'est un peu tristouné. Alors j'ai monté, je me suis occupé des productions, c'est bon, on passe à la 6e génération. Ce jeu, il fout toujours un peu les boules en début de partie, parce qu'on a toujours l'impression de ne pas avancer. Et ça commence vraiment à se débloquer vers les tours 10, 11, 12. Là, ça bouge à mort d'un coup. Alors, flotte de sûreté, c'est sympa, mais à plusieurs. En solo, c'est pas terrible. Parce que action, dépenser un titane pour placer une ressource chasseur sur cette carte. Et ça fait un point de victoire par chasseur. Donc en fait, ça, c'est un point de victoire par tour, une fois qu'on l'a installé. Pour le peu qu'on ait une production de titane, bien sûr, sinon on n'a aucun intérêt. En solo, je vais pas la prendre tout simplement parce que je veux déjà essayer de gagner la partie, ça serait pas mal. L'azote importé pour 23 avec un badge espace, donc les rabais qui vont bien pour ma part, augmente mon NT de 1 et gagne 4 plantes. Je peux aussi ajouter des cartes, des microbes et des animaux à des cartes animaux et microbes. Cette partie-là de la stipulation m'intéresse pas. Le NT de 1, bon, c'est un de ressources en plus par tour. Maintenant, je vais payer ma carte très cher pour ça. Donc,
ça m'intéresse pas tellement. Je vais pas. Je vais regarder ce que j'ai à côté, mais je pense pas. Conception spatiale. La prochaine carte que je vais jouer pendant ce tour me coûtera. Enfin, je pourrais. La même capacité que Inventrix, la corporation Inventrix. Donc, je pourrais modifier de deux mes prérequis. D'océan, d'oxygène et de température, mais c'est pas intéressant. Et le bétail, c'est clairement pour du point de victoire. En plus, il me faut une prod de plantes pour ça et j'ai pas de prod de plantes, donc je pense que je vais rien garder de tout ça. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour moi, non. C'est triste, hein, du coup, parce que là, je vais faire quoi? En action, première action, je vais utiliser 8 chaleurs pour augmenter la température d'un cran, augmenter mon NT du coup de 1. Et puis, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Parce que là, bon, je continue à stacker des badges, des badges, du titane, mais bref, si j'ai pas de carte spatiale, de carte avec un badge espace, ça sert à rien, quoi. Et là, il n'y a pas de récompense en solo, hein, la récompense mineure, on s'en fout, quoi. Est-ce que ça vaudrait pas le coup pour moi de monter un petit peu mon énergie pour booster un peu ça? Peut-être, pourquoi pas. Expédition minière, je m'en servirai que si ça craint. La vallée protégée. Je suis pas fan. En plus, je vais devoir passer une forêt, ça pourrait être pas mal de la placer là pour gagner un bonus avec des crédits ici, parce qu'il y a des océans, mais une fois que je serai placé là, je dois me développer autour et il n'y a rien d'intéressant. Faudrait à la limite que je me mette là pour gagner deux plantes, mais non, je vais pas jouer la vallée protégée, je pense pas, ça m'intéresse pas. Je vais acheter de la centrale, on va continuer à se développer. Donc ça me coûte 8. Grâce à ma capacité de Torgate, je crois que je vais en faire deux tout de suite pour monter la prod. Donc 8 et 8, 16, ça me coûtait 16. Je vais payer 20, il va me revenir 4. Alors là, clairement, je pars sur le principe d'espérer tomber sur des trucs, sur des projets qui vont me permettre de valoriser ma production d'énergie en quelque chose de plus intéressant derrière. Il existe des cartes comme ça, j'espère tomber dessus. Sinon, ça sert à rien. À part avoir de la chaleur le tour d'après, à chaque fois un peu plus. Sinon, bof. J'ai plus rien à jouer. On y va. Donc, l'énergie passe en chaleur. Là, je produis 19. Donc, je vais prendre 20 et retirer 1. Et je vais augmenter ma prod de titane de 2. Là, je produis 7 en énergie. Et là, je produis 4 en chaleur. Donc, je vais prendre 5 et rendre 1. On passe en 7e génération. Et on va observer un petit peu ce qu'on a de beau. On a des arbres là. La température doit être de moins 4 degrés ou plus. Je suis encore loin quand même, hein. C'est dommage parce que 3 productions de plantes, je risque d'en avoir besoin à un moment donné. L'astéroïde de glace, placer 2 tuiles, c'est pas mal. Surtout qu'en plus c'est un badge espace, donc c'est très bien. Je pense que je vais le prendre. Alors la zone de Mohol, augmenter votre production de chat. C'est marrant, il y a une erreur de. Il est marqué augmenter votre production de chaleur. D apostrophe chaleur. Je ne sais pas si vous le voyez ici dans le texte. La mise au point galère, mais bon, voilà, c'est un petit truc rigolo. Placer cette huile sur une zone réservée pour un océan. Alors ça peut être pas mal, ça pourrait me permettre de récupérer aussi des plantes. Soit des plantes, soit des outils du minerai. Je dis toujours je sais jamais comment on appelle ça, un minerai, ouais. Voire 4 crédits, si je me fous ici. Hop. Ça pourrait booster à la limite. Booster l'augmentation de température après ma chaleur. Enfin, est-ce que j'ai encore assez de temps pour. Donc ça sera pas gâché. Et le groupe média a rabais 3 cartes après avoir joué une carte événement. C'est plus assez rentable, je pense, à ce stade de la partie, donc je vais pas le prendre. Je pense que je vais garder ces 3-là. Je vais payer 10. Je vais payer 10, il me revient 1. Je vais payer 9. Et je vais les garder parce que ça peut être intéressant.
Je vais commencer tout de suite. Alors le but, ça va être d'essayer de monter le plus rapidement possible à au moins moins 4 degrés pour pouvoir planter mes arbres. Et pour cela, je vais avoir besoin de ma zone de mohol. Le problème, c'est que j'ai 19 crédits, ça coûte 20 et j'ai pas de rabais là-dessus. Alors je vais vendre une carte, je vais vendre la carte inondation que je ne comptais pas jouer. Donc en projet standard, je vais vendre un brevet pour 1. Il me revient 1. Voilà. Et donc pour 20, je vais jouer. Pour 20, tout pile. Je vais jouer ma zone de mohol. Donc j'augmente ma production de chaleur de 8. Donc là, avec 8, je vais tourner à au moins un par tour facile. Ou plus d'ailleurs. Ça va être un tour 1, un tour 2, un tour 1, un tour 2. Ça va aller plus vite. Et donc je peux placer ma tuile réservée, donc celle-ci. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends 4 crédits? Est-ce que je prends du titane? Est-ce que je prends des plantes? Peut-être anticiper les plantes quand même. Ouais, allez. Parce qu'après, si je passe des forêts, je vais être obligé de passer une forêt adjacente à une tuile. Je vais être obligé de me déployer autour. Donc je vais partir sur ça. Allez. Donc je vais prendre deux plantes. Comme ça, j'aurai déjà. J'anticipe un petit peu les plantes. J'anticipe un peu l'avenir. Et j'ai plus rien à faire ce tour-ci, puisque j'ai tout cramé. Non, si, j'ai quelque chose à faire. Si, si. Je vais dépenser 10, donc ça, il va me revenir 2 pour augmenter un niveau de température. Moins 20, donc je gagne 1 NT et je gagne une production de chaleur de 1 en plus grâce à ce bonus. On est bon. Production, donc ça, l'énergie passe en chaleur. Là, je vais monter 2 niveaux d'un coup. Et j'ai 22 NT, donc 20 tout pile. Au niveau du titane, on est à plus 2. Au niveau de l'énergie, on est à 7. On est à 7. Et on est à 9 au niveau de la chaleur. Donc je vais mettre 10 et je vais rendre 1. On passe à la génération 8 et on fait une petite pause rasade de potions magiques. Bon, pour l'instant, je le sens pas plus que ça quand même, hein. Je suis pas très bien parti. J'ai pas l'impression d'être très bien parti. Je suis en train de me demander si j'ai dépassé mon pion génération. Il est temps de faire un arrêt sur image pour vous confirmer que cette partie est bien valide. Après visionnage, effectivement, j'ai bien avancé mon pion d'un cran. Donc là, avec cette parenthèse, je vous épargne 5 minutes à rechercher si j'avais bien ou pas avancé mon pion. Par contre, je vous épargne pas les petites réflexions que je fais à la suite de la vidéo, dans la continuité, où je me demande de temps en temps si la partie est bien valide. Donc ça, tant pis, je vous laisse quand même. Voilà tout. Sur ce, je remets lecture, et puis bonne suite de partie. Bisous. Donc, les cartes. Allez, on y va. On essaie de ne pas perdre le fil. Alors, fleuve de lave. Je peux augmenter la température de 2 crans. Vu que je suis parti pour augmenter assez vite la température, assez bien, je pense que je vais pas le prendre. Ça dépend ce qu'il y a d'autre. Mais je pense pas, j'ai quand même des trucs assez chers à faire derrière. Quoiqu'après, je veux quand même rusher les arbres. Alors, la mangrove, la température doit être de 4 degrés ou plus. Placer une tuile forêt sur une zone réservée pour un océan. Bulle tropicale. Alors là, c'est 2 points de victoire et c'est moins 2 de production de chaleur pour plus 3 de crédit par tour et 2 points de victoire. Ça coûte cher les points de victoire quand même parce que pas tellement intéressant. Là, il y a une mine qui augmente ma production d'acier de 1, c'est peut-être un peu tard. C'est dommage parce que ça aide, mais à ce stade-là, ça va me coûter 3 plus 4 pour la jouer, ça va me coûter 7. Ça va me ramener 2 par tour, donc il faut que je la joue absolument maintenant. Et ça va m'apporter 2, 4, 6. Je vais être 1. Ça va me rapporter 5 crédits en tout, à condition que je joue une carte comme ça au tour 14. Que j'ai tout dépensé au tour 14. C'est pas un bon pari, ça.
Je vais pas la prendre. Fleuve de lave, j'hésite quand même. Parce qu'en même temps, je pourrais le jouer là et piocher une carte gratos. Ou alors prendre deux plantes. Carte gratos, deux de température. J'ai peur de rester avec la température sur les bras à la fin, en fait, c'est ça qui me gêne. Bon, la mangrove, je zappe. Je vais. Ah, c'est cher quand même, c'est cher. C'est cher d'autant plus que. En fait, le fleuve de lave, ça va me coûter 18 à jouer, mais sec. Je les ai les 18, mais je les aurai pas une fois que j'aurai payé la carte. Et j'ai pas de rabais là-dessus. J'ai aucun rabais. Non, je vais devoir. Je dois refaire l'impasse. Si je le joue, c'est. Après, je peux la prendre et la jouer un tour plus tard. Hein. Celle-là, je baisse de 2 ma production de chaleur, j'en ai plein, donc ça tombe pas trop mal. Pour 3 crédits, ça coûte 16 quand même pour la jouer. 13 plus 3 pour l'achat de la. C'est cher. Hein. Non, non, bon allez. Non. Non, on prend rien. Je vais commencer par un. Bah, je vais augmenter la température, on va faire ce qui est sûr. Je vais payer 16 tout de suite, carrément. 16. Pour faire deux niveaux de température, donc deux niveaux de NT. Je vais acheter mes astéroïdes de glace parce que pareil, ça va augmenter mon NT, ça va faire beaucoup de bien. Donc, mes astéroïdes de glace pour 23. Alors là, je vais pas hésiter. Je vais déjà, j'ai mon rabais, toujours pareil. J'ai mon rabais ici, et puis donc ça me fait payer 21 le de 20 et 21, bah, c'est 7 titane et j'en ai 8, donc il me reste 1. Et je ne paye pas de crédit, du coup, ça fait du bien. On va placer deux océans, celui ici. Où est-ce que je peux les placer? Alors là, je peux gagner 4 crédits avec ça. D'ailleurs, si j'avais été plus calculateur, j'aurais conservé la carte de tout à l'heure. Parce que j'aurais calculé que j'allais jouer ça, que ça allait me rapporter 4 crédits, et j'allais pouvoir le jouer. La jouer. Non, c'est faux en fait, il m'aurait manqué un crédit. Parce que 20, j'aurais payé 3, j'aurais eu 17. J'aurais eu 17. 21. Si j'aurais pu la jouer. Bon, c'est pas grave. Là, je gagne 2 titanes encore. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de faire de la plante? 4 crédits, c'est quand même bien. Allez, on va pour 4 crédits. Donc là, on va gagner 4 crédits qui vont servir pour la suite, pour booster un petit peu la partie. Là c'est pareil, la vallée protégée ça peut être pas mal, hein. Si je récupère ça, ça va me coûter 4 de moins, je vais pouvoir replacer une forêt, on va le mettre là, on va gagner ça. Je vais monter mon NT de 2, parce que je viens de placer 2 océans, et puis je vais jouer ma vallée protégée quand même. J'étais un peu sceptique par rapport à ça, mais là je vais le faire. Donc pour 23 moins 4, parce que je vais jouer mes outils tout de suite. Donc pour 19, je vais payer 20, il va me revenir 1. Je vais jouer ma vallée protégée. Je vais augmenter ma production de crédit de 2. À ce tour-ci, j'ai plus 6 là. Je prends un plus 6 de crédit par tour. Et je vais placer une tuile forêt sur une zone réservée aux océans. Laquelle? Le titane ou des choses ici? On va dire que je vais me placer ici. Parce qu'il y a peut-être possibilité de récupérer des points. Bon, je pense pas que la partie me permettra de passer des cités en fin de partie justement pour gagner des points. Je pense pas. Donc je vais me concentrer sur ce que je peux gagner. Je vais aller choper du titane
du coup. Alors, une forêt, ça fait plus 1 d'oxygène et plus 1 NT. Voilà. Première fois que je monte l'oxygène sur cette partie, ça fait tout drôle. J'ai plus rien à faire, je suis quasi à sec, donc on y va pour la production. L'énergie devient de la chaleur. Alors, je suis à 25 de NT plus 2, donc 27. On va mettre 25, 27. Ça commence à être un petit peu plus intéressant niveau ressources. J'augmente l'énergie de 7 et j'augmente la chaleur de 9. Enfin, je me mets plus 9 en chaleur. Je monte, je décale d'un cran les générations, pas la génération. J'ai pas oublié. J'ai quand même un doute, hein. Je me demande si je suis pas à la dixième là, parce que ça me paraît. J'ai l'impression d'avoir une production un peu trop forte pour une génération 9. Cette vidéo est peut-être un fail. on a en main agriculture, j'ai galère à parler, dans la toundra. Il faut moins 6 ou plus en température. Je pourrais pas la jouer avant un moment, parce que là je vais pouvoir monter de 2, 1, 2. Remonter de 2, non, ça va jouer trop dans trop longtemps ça. Augmenter votre production de. Ouais, bon, là j'augmente mes crédits de 2, mais est-ce que ça me coûtait 9? 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est pas intéressant. Pas à ce stade. Voilà, là par exemple, je diminue mon énergie de 1 pour 2 NT. Je trouve ça pas mal. Là, je diminue mon énergie de 1. Mais à chaque tour, je peux piocher 2 cartes. Par contre, ça nécessite 3 badges de science et j'en ai qu'un. On laisse tomber. On laisse tomber ça. Et ça, c'était trop galère. Moins 6, non, c'est pas. Ça va être trop dur. Par contre, l'usine radiochimique, j'ai pioché 4 cartes ou 3? Ouais, il y avait sponsor avec. J'en ai bien pioché 4. Celle-là, je vais la prendre pour 3. Je trouve ça sympa. Et je pense la jouer tout de suite. Donc pour... comment ça se fait que j'ai ça, moi, tiens? Comment ça se fait que j'ai ça? Ah oui. Ouais, ça doit être ça. Que j'ai dépensé pour ça. Non, c'est bizarre, ça. Je me serais pas planté par hasard. Ça serait la partie des plantages. Ouais. Où j'ai joué un événement. Non. Bon, je me souviens plus. Je me souviens plus. J'ai peut-être. Je me suis peut-être planté. Hein. Bon, c'est pas grave, on continue. On commence par les deux niveaux. Une température. Tac tac. C'est facile là. Ça c'est easy. Ça c'est le coup sûr ça. On va jouer l'usine radiochimique pour 8, donc pour 4, parce que je vais dépenser deux petits trucs comme ça. Voilà. Je vais baisser ma production d'énergie de 1 et augmenter de 2 mon NP. Toujours bien. Les arbres, ce sera dans pas longtemps, ce sera dans 2 tours, ça va être un peu tard quand même. L'expédition minière... J'en aurai besoin quand même. Je vais le faire maintenant, parce que j'ai le temps là. Je paye 15, il me revient 3. Je fais péter 2 plantes à qui je veux, donc au joueur neutre. Hein, parce que je rappelle que quand on joue en solo, on considère qu'il y a un joueur neutre. Donc c'est lui qui se prend tout dans la tronche en réalité. Je peux augmenter de 1 niveau d'oxygène, du coup j'augmente le NT de 1. Et je gagne 2 aciers. Voilà. Et lui, je peux toujours pas le jouer. Il faudrait que je monte quand même la centrale. Alors si je suis à 2 par tour, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va jusqu'au bout, j'ai pas besoin de monter. J'ai pas besoin de faire d'astéroïde. Ça vaut pas le coup de faire un coup de centrale, non.
De toute façon, je peux pas faire. Non, je vais rien faire d'autre. Je vais rien faire d'autre. Les productions, donc l'énergie en chaleur. Ok. 30 plus 2, 32. On prend. Là, il n'y a rien. Là, on rajoute 2. Là, on rajoute 6. Et là, on rajoute 9. Génération 10. Alors, on a importation d'eau d'Europe. Ça coûte 25. Ça donne des points de victoire en fonction des badges joviens. Et ça débloque une action par tour qui, pour 12 crédits, permet de passer un océan. À ce stade-là de la partie, je trouve ça plus très intéressant. Surtout qu'il y a un grand convoi qui arrive derrière, qui permet de passer un océan, de gagner 2 cartes, puis 5 plantes. Ça peut être pas mal. Je vais la prendre celle. Les droits miniers, trop tard. Les dépôts de minerais, gagner 5 aciers, ça me fait dépenser 8 pour gagner 10, pas intéressant du tout. Ouais. Je vais juste garder ça pour 3 et je risque de jouer maintenant d'ailleurs. Alors d'abord, on va faire ce qu'on fait chaque tour. Je paye 16 pour faire 1 et 2, pour faire 1 et 2 du coup. Je vais ensuite. Je vais le faire tout de suite, mon grand convoi. Donc pour 36, badge espace, moins 2, donc 34. 34, j'ai 5 badges titane, 5 x 3, 15. Donc 34 moins 15, ça fait 19. Et pour 19, je dépense 20, il me revient 1. Je peux jouer un grand convoi. On va se mettre ici pour récupérer 2 plantes, pour gagner 1 NT, on va piocher 2 cartes et gagner 5 plantes. On a des bonnes cartes de merde d'ailleurs, et gagner 5 en plantes. Et ça fera 2 points de victoire en fin de partie. Pour l'instant, ça va dans la pile de cartes jouées. Bon, on a pris des cartes. À la limite, si j'ai assez. Ah, j'ai peut-être assez. Non, ça risque d'être juste. Non, c'est dommage, il va manquer 2. Je vais les avoir les 2, ça va aller. Parce que si je joue ça tout de suite, alors c'est con, ça fait un peu forcé. Mais ça peut me faire gagner un tour. Ça me permettrait de jouer mes arbres ce tour-ci si j'arrive à jouer celle-là. Je vais y arriver. Parce que J'ai 8 ressources en plantes. Je vais planter un arbre tout de suite, une forêt. Je vais planter une forêt de ce pas. Ah non. Si. Il faut que ce soit continu. Je vais me placer ici. Comme ça, je récupère. Non, je peux pas. Je peux pas. Non, ça va pas me faire gagner. Il faut que je me mette là. Ça va me faire 2. Si, ça va me faire 2 tout pile. C'est ma seule chance. Je vais mettre là du coup. Je vais gagner un outil. Augmenter d'un oxygène et gagner un NT. Mais surtout, comme je me pose à côté d'un océan, je gagne 2 crédits. Et c'est tout pile pour faire ce que je veux faire là. Je vais jouer du coup une technologie d'adaptation pour 12. Et ça se goupille bien, c'est tout pile ce qu'il me faut. Et je peux augmenter ou descendre de 2 les prérequis globaux. Du coup, on considère que je suis à moins 4. À moins 4, je peux jouer des arbres et il me reste 13 tout pile pour jouer des arbres qui vont me permettre d'augmenter ma production de plantes de 3 et de gagner une plante tout de suite d'ailleurs. Et un point de victoire accessoirement. Ça, c'est vraiment accessoire. Je n'ai plus rien à faire pour ce tour. J'ai pas de carte action, c'est marrant, j'ai pas de carte où je peux jouer des actions chaque tour. Ça, l'énergie, ça passe en chaleur, comme toujours. Donc j'ai un NT de 34, j'ai plus 2, ça fait 36. 30
et 6. 2 titanes, 3 plantes maintenant. On commence à faire de la plante. 6 énergies et toujours mes 9 chaleurs. On passe à la génération 11. Je suis quand même loin de gagner, d'avoir gagné pour l'instant. J'ai des petites cartes avec des petits coups. Oui, c'est des tout petits coups, ça. Donc là, pour 8, la température doit être de moins 8 degrés ou plus. Je suis à moins 8. Ça me permet de passer une tuile océan. Je pense que je vais la prendre. Ouais. Technologie standard. Les projets standards coûtent 3 de moins. J'aurais tendance à dire que c'est un peu tard, mais non en fait, parce que ça se peut que je construise des forêts à tout va en fin de partie. Je vais la prendre aussi. Là, il y a un comité corrompu, j'augmente mon NT de 2, mais je perds 2 points de victoire. Par contre, c'est plus rentable du tout ce que ça peut me faire, ce que ça peut me faire apporter comme argent. Les phrases ressemblent à rien, il est tard. Et le bureau sur Terre. Les effets, les coûts des cartes terre que vous jouez réduit 3, vous n'avez plus aucun intérêt sur celle de la partie. Il y a quand même deux cartes pas mal ici, hein, que je vais garder pour 6, donc je paye 6, voilà. Je vais commencer tout de suite par la technologie standard qui me fait des rabais sur mes projets standards. Donc ça coûte 6, voilà. On paye 10, il me revient 4. Donc j'ai moins 3 là-dessus. C'est-à-dire que les centrales, en réalité, je ne les paye plus que 5. Bon, c'est naze, hein, ce stade de la partie, mais faut savoir que ça se fait. On va jouer une extraction de pergélisol pour 8. Donc 8, je paye 10, il me revient 2. Et je peux placer une tuile océan. Que je vais mettre ici pour gagner. De plantes et deux crédits, puisque je suis à côté d'un océan. Donc, deux plantes, deux crédits et un NT. Toujours. On va augmenter mon NT, puisque je vais dépenser comme à chaque tour 16 pour faire tac-tac, deux crans en température, augmenter mon NT de 2. Et puis, qu'est-ce que je peux faire de beau? Il me reste des choses. Alors, je sais pas s'il manque une plante. C'est peut-être le moment de faire une forêt, hein, pourquoi pas. Bon, un océan, il reste combien? 3 tuiles océan. Je pourrais faire une forêt éventuellement maintenant si je... Il faut que je récupère une plante. La forêt, elle me coûte 20. Est-ce que j'ai les 20? Non, j'ai pas les 20, je suis à 18. Bon, faut que je passe de l'eau. Un astéroïde, mais l'astéroïde c'est naze. Parce que j'irai jusqu'au bout de toute manière sans avoir besoin de booster ça. Non, je vais placer de l'eau pour 15. Pour 15. Aquifère. Que je vais mettre ici. Pour prendre une seule plante. Et deux crédits. J'augmente mon NT de 1. Et comme j'ai 8 plantes maintenant, je vais refaire une forêt que je vais placer ici. Ouais. C'est dommage parce que si je passe un océan plus tard, placer une forêt ici sera plus rentable après. Je vais la placer là d'abord. Ça va m'apporter une plante. J'augmente mon oxygène de 1 et mon NT de 1. Alors, je suis bientôt à un océan cadeau là. Et par contre, je pense que ma température cadeau va arriver trop tard. Enfin, je serai peut-être déjà blindé. Quoique non, je serai blindé au dernier tour. Ouais, je sais pas. C'est bon pour ce tour. Les ressources, hop. Alors, 39 plus 2, 41. 41. On augmente un peu partout. Plus 3 plantes. L'énergie toujours à 6. Et la chaleur toujours à plus 9.
augmente de 1. En fait, vu la physionomie de la partie, finalement, je suis pas certain de m'être planté tout à l'heure. Tour 12, je suis quand même pas serein là. Hein. Là, ça va être galère. Les plantes, ça va être galère. Faut vraiment que j'essaie de maximiser ça maintenant, mais je sais pas comment. Alors, la combinaison anti-radiation, aucun intérêt. Augmente de 1. Faut qu'il y ait au moins 2 cités en jeu. Bah, il y en a 2, hein, mais les deux neutres, mais. Il n'y a plus aucun intérêt maintenant. Le petit bichon, non, c'est des points de victoire, on s'en fout. Satellite, augmentez votre production de 1 pour chaque badge espace. Y compris celui-ci. Des badges espace, j'en ai pas mal. Mais il ne reste plus que 2 tours à jouer derrière. Est-ce que ça vaut le coup? Ça peut valoir quand même la peine. Hein. J'ai combien de badges espace? J'en ai que 4 en fait. En fait, j'en ai que 4. Ça fera 5 avec lui. Ouais, c'est parce que j'en ai d'autres ici, mais. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas certain que ça vaille la peine. Je vais payer. En même temps, j'ai plus rien à faire avec ça. Donc c'est peut-être quand même intéressant. Je vais payer 3. Et plus que 8. Je vais payer que 3. Si, ça peut valoir la peine quand même. Et voilà, c'est exactement cette carte-là, ce genre de carte que je voulais. Vous voyez, cette carte, c'est nickel. Si elle veut. Voilà. Elle veut un peu. Bon. Mais cette carte, ça me permet de faire une action. Bon là, ça, je pourrais plus le faire que 3 fois, mais pour 4 énergies, je peux gagner un outil, un acier, ça on s'en fout, mais augmenter l'oxygène de 1. Ça on s'en fout pas du tout parce que c'est de la galère. Donc ça je vais sauter dessus. Je vais prendre les 2 pour 6. Je paye 10, il me revient 4. Et on va démarrer par les satellites. Donc comme c'est une carte, comme j'ai station spatiale, ça me coûte 2 de moins. Alors où est-ce que je peux la mettre? Tiens, j'ai plus de place là. Je vais mettre là. Je paye 8, je vais payer 3 titanes. Donc, tant pis, je perds l'équivalent de 20 crédits, c'est pas grave. Pour la poser. Et comme j'ai une 5 badges, j'avais compté tout à l'heure. C'est con parce que si on comptait les événements, vous voyez, j'aurais eu 4 de plus. Mais bon. Ouais, ça serait trop fort. Hein. Les événements, c'est très souvent des badges espace comme ça. Donc j'avais dit 5, j'augmente de 5. Donc je suis à 7 crédits en plus par tour pour les 2 derniers tours. Donc on est bon. L'usine sidérurgique, très important, je vais le faire aussi. Ça coûte 11. J'ai pas de rabais. Mais si, j'ai encore ça. J'ai encore de l'acier. Je paye 6 de moins, je vais payer 5. J'ai beaucoup de petites crottes là, je vais les virer. 4, 5. Et je peux faire une action par tour. Je ne vais pas m'en priver, je vais la faire tout de suite. Donc pour 4 énergies, je paye 4 énergies. Je peux gagner un acier et surtout monter de 1 en oxygène. J'augmente mon été de 1 en même temps. Je me demande si j'avais monté mon NT avec ça, tiens. Encore un truc qui me laisse douter. j'en sais rien, je ne saurais jamais. Quoique si, parce que mon NT, c'est 5. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 et 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On commence à 14, 14 et 25, 39. 39, et j'ai augmenté de 2 NT ici, donc je suis à 41 NT. Donc j'en ai oublié un sur la route. Ensuite, donc ça c'est fait, je peux hélas le faire qu'une fois par tour. De toute façon, je n'ai pas la capacité de le faire à plus, mais c'est très appréciable. Je vais cramer 16, voilà. 16 pour augmenter de 2 niveaux température. Voilà, j'augmente mes 2 NT. Je gagne une tuile océan cadeau que je vais m'empresser de placer ici pour une plante pour 2 crédits parce que je place à côté d'une autre tuile océan et pour 1 NT. Ensuite, la zone écologique, ça, je m'en fous de ce truc.
Lorsque je joue un animal, je vais la vendre, ça sert à rien, je vais gagner 1. Voilà, c'est bon. Je vois vraiment aucun intérêt à jouer ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, ça sort les projets standards, parce que je commence à avoir de l'argent. Il me reste 2 générations, ou une si j'ai triché, que j'ai merdé tout à l'heure. Les forêts, hein, c'est tout. Parce que là, je vais y arriver de toute manière. Là, ça va finir par tomber. Il faut que je mette de la forêt. Donc, il y aura une forêt ici, que je vais payer 23, moins 3, grâce à ça. Je vais payer 20. On y va. Je paye 20. Je paye 20. On va se placer ici. Pourquoi? Parce que je vais récupérer 2 plantes. Et 6 crédits avec les 3 océans. Donc 6 crédits et 2 plantes. J'augmente l'oxygène de 1 et le NT de 1. On va continuer. J'ai encore un petit peu d'argent. Je pense que je vais refaire une forêt. Je vais peut-être même pouvoir faire 2 forêts ce tour-ci. Parce que je vais re-récupérer des plantes. Ouais. Ouais, ça va se faire comme ça. Si je me mets là, de toute façon je jouerai pas les cités, hein, je pense pas. Ça paraît mal engagé. Je vais galérer à aller jusqu'à 14, ça va vraiment jouer à l'arraché. Je me laisse le doute quand même. Bah, je vais me placer ici. Donc la même, pour 23 moins 3 de rabais, donc 5 et 5, 10 et 20. On va replacer une forêt ici. On va gagner 2 plantes. On va gagner 2 plantes, donc un niveau d'oxygène, un niveau de NT. Et là maintenant j'ai assez pour faire une forêt avec 4 et 4. Et on va se placer. Ouais, je fais la passe sur les cités. Ouais, je vais quand même laisser le trou, on sait jamais. Ici, je vais gagner une forêt, parce que je suis sur une case où il y avait une forêt et 2 crédits, parce qu'il y a un océan contigu. Donc j'augmente l'oxygène de 1, le NT de 1. Et comme j'arrive ici, j'ai un bonus de température de 1. Donc le NT monte encore de 1. J'ai plus que 6. Je peux éventuellement monter avec la centrale de 1. Je pense que je vais garder plutôt mon argent pour autre chose. Parce qu'une centrale de 1 maintenant, il n'y a plus tellement d'intérêt. Fin du tour. On récupère le pion pour le rejouer plus tard. Les productions. Voilà, j'ai plus. Là, ça, je pourrais plus faire 2 par tour en réalité. Vu que j'utilise mon énergie pour ça, pour monter l'oxygène, je ne monterai pas ici. Alors, les revenus, 7. Donc je suis à 48 et 7, 55. Donc 50 et 5, c'est toujours bien, c'est toujours plaisant en fin de partie quand on prend des jaunes comme ça. 2 titanes qui m'auront quand même fait pas mal de bien, les titanes sur la partie. 5 énergie et 10 chale 9 chaleurs, pardon, 10 moins 1, 9 chaleurs. On augmente de 1 cran la génération. 3, 4. Là, c'est suspense, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller au bout? Il me reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 niveaux à monter en 2 générations. Ça doit être faisable. Alors, les bactéries productrices de GES, de GES, je sais jamais su comment on prononçait ça. Ça, c'est des trucs bien, mais en début de partie, quoi qu'il faut 4. Ouais, c'est trop tard là. On peut récupérer des bactéries et augmenter la température. De toute façon, la température, je sais pas trop mon. C'est pas mon problème. Alors, piège à chaleur qui permet de dépenser 5 de chaleur pour 4 plantes. Ça peut être pas mal à ce stade de la partie. Je vais le garder. Le grand barrage pour augmenter la prod d'énergie, c'est trop tard. Et là, ça va être pareil. C'est pour augmenter la prod d'énergie de 3, c'est trop tard. Je vais garder le piège à chaleur pour 3. Parce que ça arrive un petit peu quand il faut celui-là. Ça va arriver tout pile parce que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout de suite pour 10 moins 2 pour 8. Je vais jouer un niveau de chaleur, justement, de température. J'augmente le NT.
Il me reste 5. Il me reste 5. Je vais jouer maintenant. Donc 1 pour jouer. Je dépense 5 chaleurs pour 4. Pour 4 plantes. Ou 2 animaux, mais les animaux, fuck les animaux, hein, ce sera les plantes. Et du coup, pour 8 plantes, on les a. Pour 8 plantes, on va reposer une forêt, parce que maintenant, c'est un peu la guerre à la forêt. Il faut faire de la forêt, là. On va la poser ici même, pour gagner 2 nouvelles plantes et 4 crédits. 2 nouvelles plantes et 4 crédits. On augmente bien entendu l'oxygène de 1 cran et le NT de 1 cran. Ensuite, on peut l'usine sidérurgique d'abord. On va le jouer. On va échanger 4 énergies. Donc je dépense 5, il me revient 1. Pour gagner un petit acier et augmenter l'oxygène de 1 cran. Voilà, donc augmenter le NT de 1. On a de l'argent. Bon, mais ça devrait aller, hein. Je pense que la partie est gagnée là. Ça va être tout pile, mais ça va passer. On a maintenant... Qu'est-ce qu'on a à faire? Donc là, en fait, là, le dernier cran, on va devoir le payer, je crois. Mais c'est pas grave, c'était prévisible. Si à partir du moment où j'arrivais à convertir l'énergie dans autre chose de plus intéressant, c'était logique que j'ai pas assez pour tout faire, mais ça va passer. On va faire de la forêt, hein, à fond. Je vais essayer de planter tac ici. Après je peux avoir 2 plantes là. Ouais, on va faire ça. Donc, les forêts pour 20. Grâce au rabais. La forêt pour 20. Je vais la mettre ici. Je gagne rien si ce n'est un oxygène et un NT. Ouais, je place pas ailleurs parce que j'ai toujours un petit espoir de pouvoir placer des cités là pour faire du point à la fin. Et j'en fais une autre dans la foulée pour 20. Que je vais placer ici, comme ça je vais récupérer 6 crédits parce que je me pose autour de 3 océans. À côté de 3 océans. Donc je re-augmente l'oxygène de 1 et le NT de 1. Quand on arrive là, quand on joue en solo, on est content généralement parce que ici, ça, généralement, quand on arrive à 56, ça veut dire qu'on a gagné la partie. Faut que j'arrive à 58 parce que j'ai gagné 2 NT grâce à une carte. Où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Ici, ici, grâce à ça. Mais sinon, c'est 56. Quand on est à 14 et qu'on n'a pas de carte qui donne des bonus NT, c'est 56 pour terraformer. Parce que 1, 2, 3. 4, 5, il me manque 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, moins les deux de cette carte-là, ouais, c'est 56. Il me reste combien? Il me reste 25 crédits, je peux refaire une forêt, mais j'en aurais peut-être pas besoin. Il faut que je fasse encore un océan. Je suis pas un crédit prêt. Donc je pense que pour optimiser mes points, comme je suis quasi certain d'avoir gagné la partie, pour optimiser les points, toujours pareil, sous réserve, hein, que je sois bien, que j'ai bien joué 14 générations. Sinon, là, je l'ai perdu. Je l'ai peut-être perdu. Mais je vais garder mes points. Je vais garder mon argent pour mieux optimiser mes points. Pour savoir si je pourrais me permettre d'acheter des cités ou pas. Je me tâte d'acheter des cités maintenant, mais ça sert à rien. Non. On va finir la partie. Donc. Ça, l'énergie qui passe en chaleur. Et la production. Donc 53 plus 7, 60. 60. 60 c'est bien, c'est 3 forêts. Ouais, je suis largement comme il faut. Pas d'acier. 2 minerais comme d'habitude. 3 plantes. Il me manque 2 pour refaire une forêt ici. Là j'ai toujours 6 en énergie. Et là, je suis toujours à 10 de chaleur. Et toi, tu reviens ici. Voilà. J'aurais peut-être pas besoin de dépenser ça ce tour-ci. Alors, on décale notre petit pion et on joue la dernière génération. Alors, miroir
spatio, c'est une action qui permet de convertir de l'argent en génération d'énergie. C'est pas intéressant au dernier tour. Il y a beaucoup de cartes qui sont plus intéressantes au dernier tour. On gagne des badges science en échange d'énergie, mais c'est pas. Enfin, je joue pas science. Mine de titane, bah, pour faire du titane, mais ça sert plus à rien. Et réseau électrique augmente la prod d'énergie par badge d'énergie en ma possession. Ça aurait été pas mal, je pense. Y compris celle-ci. 1, 2, 3. Ah bah non, que 3. Ah, 4. Parce que je suis Torgate, j'en ai un de base. Non, j'aurais pas. Non. Je garde rien, j'ai pas d'intérêt à garder ces cartes. Donc, bon, on va tout faire comme ça. On va tout faire. On va tout faire avec les actions des cartes, enfin l'action des cartes, et en projet standard. Pour commencer, on utilise deux chaleurs pour faire une température. Voilà. On va faire de la flotte. Il faut faire de la flotte. Alors, une flotte ici ou une flotte ici? Il manque une plante. La plante, je vais les avoir là en faisant une cité. Alors, comme je suis sûr de mon coup, je suis sûr de réussir mon coup, je vais construire une cité. Alors, je vais calculer quand même, on va pas faire le con, ça serait dommage, mais. Ouais, de toute façon, ma sidérurgie, ça me sert plus à rien. Je peux plus faire de chaleur, donc on va le faire maintenant. Je vais quand même faire cette action-là. Je vais payer 4 énergies. 5, il me revient 1. Pour gagner un acier qui va plus me servir à rien. Et pour gagner un niveau d'oxygène. Donc 1 de NT. Voilà. Il me reste un cran de chaque. Il me reste un cran de chaque. Donc je peux payer. Ouais, je vais payer ma chaleur déjà. Chaleur, c'est un astéroïde à 14. On va payer 4 et 10, 14. Hop, voilà. Donc là. Température, on est bon. Ensuite, on va se poser. Il me reste plus qu'un océan. L'océan va me coûter 18. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Grâce au projet standard, je paye pas 14 pour l'astéroïde, je paye que 11. Donc, je vais récupérer 3. Donc, la flotte va me coûter 15. Je vais faire mes petits calculs. La flotte va me coûter 15. Il me manque une forêt, mais je vais les avoir. Si, alors si je pose une cité qui me coûte 23 pour maximiser les points, j'ai mes deux plantes qui font ma dernière forêt. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça passe. Donc on y va, on va commencer par la cité. On va commencer par la flotte. Pour gagner de la thune. Bah oui. On va commencer par la flotte. Donc pour 15. Pour 15, on place un océan. Hein, 18 moins 3, toujours pareil. Hein, moins 3 grâce à la technologie standard. On pose une flotte ici. Donc je récupère une plante. Je récupère 2 gold, de crédit. Et je récupère un NT, bien sûr. Je vais payer ma cité ici pour faire un petit. En fait, ça va me faire que 3 points de victoire, mais je vais quand même le faire ici. Je vais faire deux cités en réalité, je vais faire une là, une là. Donc la cité à 20, 25 moins 3, 22. 22. On va se placer une petite cité. On va récupérer deux plantes du coup. Je récupère 4 crédits aussi. Donc 5, je rends 1. Grâce aux plantes. 8 plantes, 8, ouais, 8 plantes. On va refaire une forêt qui va me permettre de gagner la partie. Et après, on va soigner les points. Je pourrais refaire une cité ici. Je pourrais éventuellement. De toute façon, j'ai pas le choix. Je dois me poser. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais me poser. Je peux pas refaire de cité ici.
Est-ce que je peux refaire? C'est 22. Je peux faire deux cités encore. Si j'en fais une là et une là, je peux la faire que là. Donc on va les mettre là. Je gagne aucun bonus là par contre. La forêt, hop, voilà. Niveau NT, je suis bon. Donc là, c'est bon. Là, la partie gagnée maintenant, c'est gavage d'oie. Petit gavage d'oie, parce que je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre que ça. Donc pour 22, on va construire une cité. Alors, je répète pas encore pourquoi je paye 22 ma cité au lieu de 25. D'ailleurs, j'ai même complètement omis tout à l'heure de ma cité. Elle me fait augmenter mes ressources de 1. Bon, pas d'intérêt, je l'ai fait ce tour-ci. Et je vais la faire ici. Du coup, je gagne 2 crédits grâce à l'océan. Et je génère un de plus, il sert à rien. Et puis, on va redépenser 20 plus 2 pour refaire encore une cité ici pour refaire un petit peu de points. Alors là, je gagne 3. En fait, rien ne m'empêche de passer ailleurs d'ailleurs. J'aurais pu me mettre ailleurs. Mais je vais me mettre. Non, je ne peux pas la mettre ici. Je vais me mettre ici comme convenu et récupérer 2. Pour la flotte à côté, il y avait un bonus là? Non, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien ici. Voilà, fin de la partie, je pense pas pouvoir faire autre chose. Il me reste 5. Si je peux augmenter pour le fun. Je peux augmenter moins 3, moins 3. Si pour 5, je peux augmenter ma production d'énergie de 1. Ce qui sert à rien, c'est vraiment juste pour le fun. Aucun intérêt. Et fin du tour. La production. Je suis donc à 58 plus 9. Bon, ce que je fais, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de. Ça sert qu'à une chose. Ça sert. On peut produire des plantes après la 14e génération pour faire des forêts avec les plantes à la fin de la partie pour gagner des points, mais j'aurai pas assez donc il n'y a pas d'intérêt. Mais je vais quand même le faire parce que ça me fait marrer. Donc 9 et 58, 58, 9, 67. 67. Ouais, c'est vraiment pour dire de s'abuser un peu. Aucun intérêt. 67. 2 ici. 3 ici. J'ai oublié de faire ça avant. 7. Et 10. Je rends 1. Je l'avais déjà enlevé. Très bien. On arrive au compte de points, du coup, au décompte. Donc la partie est gagnée. Alors, je le redis encore une fois, à condition que je n'ai pas oublié d'avancer le pion de tout à l'heure, enfin, que j'ai bien disputé 14 générations. Si j'en ai fait 15, bah, j'ai perdu. Voilà. Ça sera à vérifier tout à l'heure. Et puis, on va compter les points. Je pense pas que j'avais gagné avec Torgate, je suis pas sûr. Je crois que j'avais joué une fois en solo avec Torgate, il faudrait que je regarde mon fichier avec celle-là. Et je pense que je l'avais perdu. Donc si c'est le cas, tant mieux. Je suis donc à 58. On va d'abord commencer par les points de carte. Donc j'ai 2 points de carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, c'est tout. 7, 8. Donc 58 et 8, ça va faire du 66. Je m'attends pas à un gros score. Ensuite, les points de forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que là, c'est pas une forêt. 10, 66 et 10, 76. Et les cités qui valent un point par forêt adjacente. Donc 1, 2, 3. Celle-là, elle est bien entourée. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Une forêt peut valoir, peut donner des points à plusieurs cités adjacentes. Donc j'ai dit 11. 76 et 11, ça fait du 87. Voilà, 87 points. C'est pas un score trop mauvais, ça va, 87. Qu'est-ce que j'ai fait comme score, comme meilleur score? Je crois que j'avais pété le score avec la. Tu sais, je me souviens plus, j'aurais dû regarder ma feuille avant. J'avais fait avec United Nations of Anarchy, pas du tout ça. Avec laquelle? Oui,
United Nations of United Nations Mars Initiative. Je vais y arriver, je galère. Avec celle-là, j'avais fait un gros score, mais bon, elle a un peu cheaté cette corporation-là en solo. Mais ouais, non, ça reste correct, 87. Bon, bah les amis, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je me demande combien, je vais regarder combien de temps fait cette petite vidéo. Tiens. On est sur du 1h30 quand même. Non, non, non. Ah, on est quand même sur 1h30. 1h30 passée en bonne compagnie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps quand même au début en blablatant parce que j'adore faire ça. Mais j'ai perdu un peu de temps, surtout en essayant de me remémorer si j'avais fait cette génération ou pas en question, cette génération fantôme. Ce sera la partie de la génération fantôme. Et il y en aura d'autres, parce que j'aime bien ce jeu-là en solo, il est vraiment excellent. Et j'ai envie de tester les cartes d'extension. Vous voyez, je vais vous montrer vite fait. Si j'y arrive, si j'arrive à la choper. Et cette petite carte est Elysium. Elysium, voilà, la face cachée de Mars. Et de l'autre côté, il y a... Alors, je vais vous montrer. Vite fait. Voilà, on a Elysium. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Hein. Le plateau est un petit peu différent. Je vais que vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est le même, hein, les projets standards, etc. sont les mêmes. Les objectifs et les récompenses sont différentes, par contre. Vraiment, vraiment différents. Bon, ça, c'est un petit peu les cassons en vert pour marquer la différence, mais c'est la même chose. Il y a plus de plantes, apparemment, dans celle-là. Les océans sont tous concentrés au nord. Et puis, de l'autre côté, il y a le plateau Hélas. Hélas, qui est plus porté pôle sud, des petites nouveautés. Bon, c'est pareil, hein, c'est la même condition de victoire, température, océan et oxygène. Mais on peut récupérer de la chaleur maintenant en allant s'installer à certains endroits. Voilà, donc ça fait une petite originalité. Pareil, la flotte est disposée autrement. Enfin, bon, ça varie un petit peu le jeu. Et pareil aussi, hein, objectifs et récompenses encore différents des deux autres plateaux. Donc c'est pas mal, ça permet de varier vraiment les parties tout en gardant le moteur de jeu qui tourne déjà vraiment, vraiment super bien. Bon, je vous abandonne là-dessus. Merci de m'avoir regardé, c'est sympa. J'espère que vous avez fait plaisir, je l'ai déjà dit. Et puis je vous dis à très bientôt et à très vite. Des gros bisous. Mouah.